Salut, bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. C'est presque réel, c'est l'incroyable histoire d'un chercheur devenu en quelques mois une star internationale. Le portrait riche en informations inédites, et ces informations sont justes et précises, d'un immense spécialiste des maladies infectieuses, autrement dit, Indiana Jones. Un grand savant qui est arrivé à un haut niveau, devenu une idole dans l'Hexagone. Dans l'ouvrage intitulé « Raoul, une folie française », Ariane Chemin, grande journaliste de quotidien Le Monde, et Marie-France Etchegouin, grand reporter de Magazine Elle, livrent une enquête approfondie et complète sur le grand scientifique qui a déchiré la France pendant la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Génie incompris pour les uns, chercheur toxique pour les autres, mais qui est vraiment le patron de l'IHE Méditerranée. Infection, dit Raoul. Les grands reportent n'occultent rien, pas plus les découvertes passées de professeurs de médecine, et elles sont nombreuses. Le récit vaut d'abord par les minutieuses descriptions des jeunes. Annie, du directeur de l'Institut Hospital Universitaire de Marseille. Enfance coloniale sous le soleil de Sénégal. Didier Raoul naît à Dakar le 13 mars 1952. C'est le dernier d'une fratrie de 6. Son père André est médecin militaire, directeur de l'organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine. Sa mère, Francine, est infirmière. L'homme se flatte d'avoir un arbre généalogique peuplé de médecins, de résistants, d'un directeur de Normal Sup et d'une chanteuse de prête. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.